Okay. Les membres de la presse, bonsoir et bienvenue au Caserne Centrale. Mes concitoyens, ce soir, on a le privilège, en tant que commissaire de police, pour adresser sur un aspect de sécurité très important. Comme on se connaît, nous l'avons nos deuxième nuit de couvre-feu sanitaire. Jusqu'à l'heure, comme commissaire de police, je veux dire, nous satisfait qui nous peut réussir à maintenir l'ordre et la paix dans une société, non seulement à Maurice, mais aussi à Galéga et à Rodrigue. Je veux remercier non seulement la population, mais aussi l'ensemble de la force policière pour un comportement, pour un comportement qui est plus ou moins exemplaire. Pareil comme dans la population, il y a certains éléments qui sont indisciplinés. Malheureusement, au sein de la force policière, il y a aussi un élément avec un comportement répréhensible. Nous pouvons remarquer qu'il y a une vidéo qui peut circuler, qui peut faire état de brutalité, de violence chez certains individus. Et aussi, sa vidéo-là peut démontrer non-respect aux droits humains. Comme commissaire de police, toujours mon prôner avec toute la force, qui, pour nous faire notre travail bien, non seulement nous avons besoin de la confiance de tout l'ensemble de la population, mais aussi nous avons besoin de faire notre travail dans le respect de chaque individu qui appartient à la République de l'île Maurice. Mais malheureusement, il y a certains éléments qui peuvent faire un écart de conduite. Et là, nous prenons connaissance de sa vidéo-là, nous commençons une enquête immédiatement. Et nous sommes capables de dire ça, qui nous finit connaît, nous connaît dans quel endroit ça a été, nous connaît quand ça lieu-là a été, nous connaît quel groupe de policiers qui est impliqué dedans, et nous connaît aussi qui ça n'a qui probablement fin diffuse. Cela nous peut démarrer l'enquête avec une avance, je vais dire 75%. Vous pouvez confier cette enquête-là au chef de la Sûreté nationale, le surintendant Akbar, et l'enquête pour superviser par le DCP Tulane Bodjou, qui est responsable pour le moment pour la région de Port-Louis dans son ensemble. Me faire un appel à toute la population qui nous tous peut vivre une situation sans précédent. Une situation qui peut offrir beaucoup de défis, non seulement à tous nos citoyens, mais aussi aux autorités. Mais ensemble, nous ne pouvons pas relever ce défi-là. Il n'y a pas un moment pour montrer aucun écart de conduite. J'ai besoin de dire partout que je viens de passer. Le soir, quand je finis mon check, je finis de trouver qu'il y a un policier, il y en a seul, il y en a en binôme de policiers. Je peux travailler bien. Tu as beaucoup de place. Je peux sécuriser l'endroit stratégique. Nous avons à peu près plus de 113 endroits stratégiques qui nous peuvent sécuriser. Et non seulement les éléments de la force régulière, mais aussi les éléments des unités spécialisées, telles que la SMF, la SSU et même les gardes-côtes, mais la même contribution pour assurer que ça couvre-feu sanitaire là, et tout le monde peut respecter. Naturellement, il y a même un service essentiel qui est obligé d'opérer, et ça, nous donne un permis pour que ça ben officier là, capable circuler tout en montrant ce PMI
et en déclinant leur identité. Sans nouvelle policier dans un barrage routier, mais check ça. Et jusqu'à l'heure, moi, vous allez dire, nous avons à peu près une centaine de contravenants. Encore une fois, je lance un appel à toute la population mauricienne, Rodrigue Galega, pour suivre les consignes concernant le couvre-feu sanitaire de très près et aussi de respecter la loi, de faire maintenir l'ordre et la paix. Et me lance aussi un appel à toute la force policière. Me reconnaître qu'il, dans l'ensemble, je veux faire un travail exemplaire, mais les éléments indésirables qui peuvent faire preuve de comportement répréhensible, me vous promets une action très sévère dans les heures qui suivent. Me remercie ceux pour votre attention. Peut-être s'il y a des questions, je voudrais me mettre à votre disposition. Et, sorry, avant ça. Et de ce fait, nous pouvons tirer un communiqué et nous pouvons donner une copie de ce communiqué-là. Communiqué-là peut lire comme suit. Il a été porté à l'attention de la police qu'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant un cas de brutalité policière. La police a initié une enquête pour établir les faits et la véracité de cette vidéo. La police condamne tout acte de brutalité policière. La force policière dans son ensemble condamne tout acte de brutalité policière et prendra les actions appropriées à la suite de ces enquêtes. Merci. C'est à la lumière de ben éléments de preuve qui nous ben siaili pour rassembler, pour présenter devant mes enquêteurs, ben action appropriée pour prendre. Merci. Il y a une vidéo qui peut montrer une personne qui est au sol et qui est ensanglantée. Oui, c'est ça qui m'a dit là. Je ne pas pour commenter chaque vidéo à tour de rôle, mais je vais dire, ça va une vidéo là, je vais faire l'objet d'une enquête par le chef de la Sûreté nationale, le chef du CID, Central CID, sous la supervision de DCP Chulen Bodju. OK? À aucun moment, je vais redire, à aucun moment, ni le commissaire de police, ni ses officiers, fin de l'ordre pour servir la force. À aucun moment. Ne pas fin de l'ordre. Servir la force seulement d'après nos protocoles, si on dirait, ben, appé à taxot, ben, appé la voie rosse, ben, mettre la vie des policiers en danger, simplement pour défendre zot. Mais nous peine de nos ken load aux éléments de la force policière pour faire usage de la force dans le contexte actuel. Et moi, j'ai ajouté aussi, qui, comme commissaire de police, au quotidien, me rencontre toute la hiérarchie de la force policière, les DCP et les ACP, responsables des branches et des unités, me passe en revue la situation au quotidien. Tous les jours, nous faisons vers 3h, vers 4h, nous terminons nos réunions vers les 5h, 6h. Oui. C'est bien dit. Au sein de la force policière, nous disons, nous sommes policiers, mais n'a aucun souci si je suis capable, si j'ai une photo, faire un petit clip de mon action policière. Mais n'a aucun mal dedans. Mais j'ai besoin de dire, le délit arrivé quand ou chède ça, quand il n'y a pas besoin à la place, quand il besoin d'aller. OK? Nous sommes policiers, je tiens photo. Quand il y a la drogue, nous gagnons photo, nous tirons notre carte d'identité, nous gagnons photo, ben, exhibit, je tirer. Mais, je dis seulement, mettre for police consumption. Nous pouvons dire diffuser ça, nous. OK? Parce que nous, bien connaît, ben, policier, qui quand c'est cas, se peut saisir. Qui quand c'est l'argent, se peut saisir. Avec qui, là, nous payons les affaires. OK? Mais ce diffusion, c'est ce diffusion qui contribue à être un délit. OK? Et ça va être policier là, me penser,
si ça établit, les pensées, il fait ça intentionnellement pour cause du taux à la police. Next question. Est-ce qu'il va demander à la force policière qu'il y a une difficulté au terrain, par exemple, pour expliquer un petit peu le danger de par le système? Et vous connaissez la force policière, elle a annoncé la période de confinement. Nous passons beaucoup de temps au sein de la population, dans tous les coins et les recoins, pour sensibiliser la population. OK? Nous pas payons aucune difficulté là au terrain, mais naturellement, il y a des gens qui sont difficiles, nous connaissons. Il y a certains coins, quand il y a des gens qui se promènent, ou qui se promènent en groupe, qui se promènent la bière, on ne se pas connaît qu'il y a un ennemi invisible dehors. Mais la police, cause ça. Naturellement, il y a une réaction qui pas normal. Et j'ai besoin de dire, depuis 44 ans qu'il m'a dans la force policière, jamais j'ai perdu le contrôle de mon temps. Un policier qui perd le contrôle de ce temps, il n'est plus un policier. Alors j'ai dire ça. Ça qui me connaît, c'est qu'on est capable de provoquer, ok, provoquer, nous connaît comment pour contenir la provocation. Ok? Et d'ailleurs, j'ai encore un exemple, jamais on tourne sa local ou sa cause brute. Tout le temps, mon garde mon calme. OK? Parce que vous connaissez, le moment qui mon n'est plus calme, mon sap local, mon n'est bien policier là. Merci.